Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la composition du gouvernement est connue depuis dimanche soir au Burkina Faso. Une équipe ministérielle qui fait la part belle à l'armée. Quatre portefeuilles, dont celui de la défense du ministère de l'Intérieur, sont occupés par des militaires. Un fonds de 50 millions de dollars pour dynamiser l'entrepreneuriat, c'est l'un des aboutissements du premier Global Entrepreneurship Summit qui s'est tenu du 19 au 21 novembre 2014 au Maroc. Immersion au sein des Infinity Hightech Days 2014 au Cameroun, un événement où la jeunesse est conviée, une façon aussi d'observer les progrès mais aussi les besoins matériaux des étudiants camerounais en matière de création technologique. La première séance du nouveau Conseil des ministres est prévue ce lundi au Burkina Faso. Une équipe ministérielle dont la liste a été communiquée dimanche soir. Le président de la transition, Michel Cafando, diplomate de formation, occupe également le poste des ministres des Affaires étrangères. Trois autres militaires composent le gouvernement. Les détails d'Aminata Jack. Au Burkina Faso, la composition du gouvernement de transition est connue. La liste des ministres a été annoncée ce dimanche 23 novembre 2014 par le secrétaire général du gouvernement, Alain Thierry Ouattara. Le gouvernement de transition comporte 24 ministres et 2 ministres délégués. De nombreux membres sont inconnus ou presque. Globalement, on peut penser que c'est une équipe qui est en mesure de conduire la transition à bon port. Maintenant que le gouvernement est formé, il faut attendre aussi de voir la lettre de mission précise que le président va donner au gouvernement. C'est à partir de cela qu'on peut véritablement apprécier si ce gouvernement est en mesure de travailler ou ne pas être en mesure de travailler pour le bonheur des Burkinabés. Le président Michel Cafando et son premier ministre sont chacun investis dans le portefeuille ministériel. Le chef de la transition cumulera le poste de président avec celui de ministre des Affaires étrangères, tandis que le lieutenant-colonel Isaac Zida occupera également le poste de ministre de la Défense. Je pense que ces questions relèvent certainement des questions pratiques, parce que vous savez très bien que dans les faits, les affaires étrangères relèvent du président du Faso, du chef de l'État. Et je pense que comme c'est une transition, il y a eu une volonté certainement de bien suivre ces aspects directement à son niveau. Et au niveau du Premier ministre, au regard de sa formation, il était tout à fait logique également que dans un premier temps certainement, la défense soit à son niveau pour pouvoir réassurer une réorganisation globale et au niveau de l'armée. Donc je le conçois et je le comprends comme ça. L'armée reste une force politique importante au Burkina Faso, qui n'a connu que des militaires au pouvoir depuis 1966. Au total, elle compte 4 membres dans le gouvernement de transition. Elle hérite, en plus du portefeuille d'Isaac Zida, des ministères de l'administration territoriale et de la sécurité, des mines et celui des sports. Au Mali, Soumaïla Cissé a été désigné comme le chef de l'opposition ce dimanche. L'ancien candidat défait aux élections présidentielles de 2013 devient donc le président de l'Union pour la République et la démocratie, principal parti d'opposition. Celui qui avait également occupé la fonction de président de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest en a profité pour donner son avis sur l'actualité. Il a en effet plaidé pour une fermeture de la frontière guinéenne et pour lutter contre le virus Ebola ou a appelé à une remise à plat des accords d'Alger. Le sommet Global Entrepreneurship Summit s'est clôturé ce vendredi au Maroc. Organisé conjointement par le Maroc et les États-Unis, l'événement a été marqué par une dizaine de séances plénières. La croissance durable, le climat des affaires, l'export, la responsabilité sociale et d'autres thèmes d'actualité étaient également au programme. Reportage de notre correspondant Ella Jinjai. La 5e édition du Sommet mondial de l'entrepreneuriat a pris fin ce vendredi à Marrakech, au Maroc. Les travaux de ce sommet ont été couronnés par l'annonce de plusieurs initiatives, notamment l'organisation du prix de l'innovation pour l'Afrique en 2015 au Maroc, le lancement du fonds d'amorçage pour l'entrepreneuriat et l'innovation doté de 50 millions de dollars US en partenariat avec la Banque mondiale. Au-delà, bien entendu, des conventions qui ont été signées, au-delà des fonds qui ont été mis à disposition pour l'innovation en Afrique, qui se chiffrent à quelques millions de dollars. Ce qu'il faut retenir, c'est que le regard croisé qu'a eu le président Barack Obama et Sa Majesté le roi Mohamed VI montre qu'il y a aujourd'hui un nouveau regard sur le continent africain.
Cette rencontre internationale de 3 jours a vu la participation de 6800 personnes en provenance de 95 pays. Elle a permis aux institutions financières comme le groupe Atijari Wafa Bank de présenter ses ambitions aux entrepreneurs. Et c'est une ambition qui nous incite à aller encore plus loin dans le soutien de l'initiative privée, dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, où qu'ils soient, au Maroc mais également en Afrique subsaharienne, à travers nos implantations bancaires dans l'ensemble de nos pays de présence. Le GES apporte une réponse, en tout cas la réponse de voir que plusieurs personnes ont été confrontées aux mêmes doutes que les nôtres ou qui sont confrontées aux doutes par lesquels je passe ou que je vis tous les jours. Ce sommet organisé conjointement par le Maroc et les États-Unis est un succès pour le royaume chérifien. C'est un événement très important pour nous Marocains. D'abord sur le plan politique, c'est une déclinaison des actions du dialogue stratégique liant le Maroc aux États-Unis. Le choix du Maroc et l'organisation du Maroc vient prouver encore une fois le positionnement du Maroc en tant que pays émergent, en tant que pays africain, première terre africaine qui accueille et qui organise le GES, le positionnement du Maroc en tant que plateforme régionale pour l'entrepreneuriat et pour l'économie. La 6e édition du sommet mondial de l'entrepreneuriat se tiendra dans un pays subsaharien. C'est ce qu'a annoncé vendredi soir à Marrakech Maria Contreras Sweet, l'administratrice du département américain en charge des petites et moyennes entreprises. Apporter des solutions aux problèmes que rencontre la communauté, c'est l'orientation prise par les étudiants de la faculté de génie industriel de l'université de Douala au Cameroun. Pour cela, ils se sont aidés de l'association Infinity Space, un des nombreux projets présentés à l'occasion des Infinity High Tech Days 2014. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Valoriser les compétences des jeunes et stimuler l'esprit de créativité au service de la communauté, c'est l'objectif principal des Infinity High Tech Days. Ces journées technologiques organisées par l'association estudiantine Infinity Space de la faculté de génie industriel de l'université de Douala au Cameroun permettent au public de découvrir les projets innovateurs développés par les étudiants. Pour cette édition 2014, la 3e du genre, 2 projets ont particulièrement marqué les esprits. Celui de la maison intelligente, équipée d'un système électronique de sécurité avant-gardiste et surtout le séchoir solaire de cacao. Je suis bluffé par la qualité des travaux de recherche et d'innovation des jeunes étudiants camerounais. Vous savez, quand on est jeune, c'est là où on a de la créativité. Et ces jeunes nous prouvent que l'éducation pour l'éducation ne pourra pas faire avancer l'Afrique. Ils imaginent des solutions aux problèmes concrets. Aux problèmes concrets de nos communautés. Par exemple, celui de la qualité du cacao camerounais. Pour les organisateurs, chaque projet doit aboutir à la création d'une entreprise, d'où le thème « Un étudiant, un projet, un entrepreneur ». Nous voulons, à travers ce thème, montrer la corrélation qu'il y a entre ces trois mots. L'étudiant, lorsqu'il est à l'université, a la capacité de développer ses potentialités et a beaucoup de créativité. Raison pour laquelle il peut développer plusieurs projets et devenir très facilement un entrepreneur. Pour les responsables académiques, cette éclosion de talents augure des lendemains meilleurs. Cette faculté sera la niche où on va commencer à lutter contre le complexe du colonisé. Puisqu'en fait, actuellement, ils n'ont peur de rien, ils relèvent toutes sortes de défis. Vous avez entendu le défi que je leur ai donné, et ils ne sont pas à temps de construire un véhicule qu'on peut démonter et mettre dans sa valise. Depuis 2010, les Infinity High Tech Days se sont imposés comme l'un des principaux rendez-vous de l'innovation en milieu estudiantin. Mais elles souffrent encore d'un manque criant de moyens. Cette année, par exemple, de nombreux projets n'ont pas pu présenter de maquettes. L'association aimerait également disposer d'une imprimante 3D qui permettra d'obtenir des prototypes après conception. La 10e édition du Festival du Rire Toussé s'est achevée ce samedi à Brazzaville, au Congo. Depuis mercredi dernier, des artistes venus d'Europe et des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest ont fait vibrer la salle de spectacle de l'Institut français du Congo. Notre correspondant sur place, Prince Bafolo, a assisté à l'un des spectacles. Voici son reportage. Le Festival Toussé, rendez-vous international du rire de Brazzaville, a tenu son pari cette année. Donner le sourire et détendre le public. Pendant 5 jours, des comédiens venus de France, de Côte d'Ivoire, du Tchad, du Cameroun, de la République démocratique du Congo et du Congo
ont tenu le public en haleine. Vous n'êtes pas comme les autres, en fait. Vous avez... Il y a un truc qui est bizarre, je suis... Vous êtes maigre. On dirait que vous êtes malade, en fait. Des grands noms de la comédie africaine comme Gwazi Thérèse, Valérie Ndongo, Riri Klo ou Le Seigneur du Rire, pour ne citer que ceux-là, ont donné de la couleur à cette 10e édition du festival Tousséou. C'était vraiment très bien, je me suis éclaté, vraiment très cool, superbe. J'ai aimé, c'était bon, j'ai bien rigolé. On avait peut-être peur qu'on n'allait pas comprendre tous les jeux de mots, tous les textes et tout cela, mais vraiment nous avons beaucoup apprécié. J'ai été très émue par rapport au spectacle de ce soir. C'était très génial. ...de dénomination terroriste. Ainsi, pour l'élite intégriste africaine, Ebola signifierait enfumage biologique de l'Occident pour lézarder l'Afrique. Le festival du rire Tousséou se tient à Brazzaville depuis 2004. En 10 ans, ce rendez-vous est devenu la référence du rire au Congo. Pour les prochaines éditions, le pari des organisateurs est celui d'ouvrir le festival à d'autres comédiens du continent. L'objectif est atteint puisque aujourd'hui le festival s'internationalise. L'objectif c'est en faire un grand festival qui sera reconnu à travers toute l'Afrique. Un pari qui ne saurait être relevé sans l'aide des pouvoirs publics. À ce jour, le festival est financé sur fonds propres et grâce à l'aide de privés. Selon la direction du festival, le soutien des autorités, en particulier celui du ministère de la Culture, serait le bienvenu afin de donner au festival un rayonnement international. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.